Mesdames et messieurs, il y a eu un Howard au Crocus City Hall à Moscou. Il y aurait déjà une douzaine de morts apparemment selon les sources. C'est passé il y a une dizaine de minutes et là ça sent pas très bon quand même parce que là ça peut être n'importe quoi. On va essayer de balancer les théories à la fin de la vidéo, mais on va voir comment ça s'est produit. Rick, générique. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Alors, des témoins rapportent des tirs au sein de la salle de spectacle Crocus City Hall à Moscou. Il y aurait plusieurs victimes. Alors là, cette vidéo, on va remettre juste le bas. Mais là, il n'y a rien, mais on va remettre juste le bas pour être sûr. Donc là, les gens se demandent ce qui se passe. Ok, on entend des cris. Là, des tirs, ouais. Donc les gens se cachent, évidemment. Selon les sources, ce serait 3 personnes en tenue de camouflage qui auraient attaqué. Donc ça peut être n'importe qui, franchement. False flag, les Ukrainiens, les agents de la CIA. Ça peut être n'importe quoi. Ou des zinzins aussi, c'est possible. L'opposition. Ok. On va enchaîner. Donc là, on les voit. Plusieurs hommes armés ont pris d'assaut la salle de concert Crocus City Hall de Moscou. Là, on les voit arriver en bas là. Oui, c'est un lance-flamme qu'il a là, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on voit le bâtiment cramé après. Donc, je crois qu'il y avait un lance-flamme. Donc, il y a déjà au moins 12 morts. Et ça va sûrement augmenter. Hein. Ça, c'est comme au début avec le Bataclan. Au début, il disait une dizaine de morts. Mais après, c'est monté à 100. Donc, forcément, il y aura beaucoup de morts. Ah, ouais, sûrement, ils ont 3, ils ont prévu le truc. Donc, normalement. À moins que tu passes par une issue de secours qu'ils n'ont pas prévu, ça se passe mal. Et les gens qui descendent les escaliers. La salle du concert Crocus City de Moscou est en feu après l'attaque à main armée visant le bâtiment. Ouais. Ah ça crame. Ah c'était de nuit. Oui, il fait déjà nuit là-bas. Plusieurs sources affirment qu'il y a eu 3 assaillants au moins. Ok. Bon, ça on l'a déjà vu cette vidéo où les gens se couchent par terre. Enfin voilà. Les médias russes annoncent que les pompiers ne peuvent pas intervenir sur l'incendie de la salle de concert au Crocus Circle tant que les forces spéciales ne sont pas sur place. Il reste toujours des personnes à l'intérieur. Ouais, ça crame, bordel. Ça sent pas très bon quand même. Je vous tiens au courant pour la suite des événements, donc je risque de rester pour la soirée. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir. A plus, Amogus.